Pour son premier match à l'extérieur cette saison, les Darin Club Motema Pembe a été stoppé par la jeunesse sportive Lumparu Bazano. Deux équipes revenant des victoires respectivement contre Don Bosco et Lupopo ont produit un jeu plutôt acceptable. Les locaux ont été les premiers à s'illustrer sur un tir de Diego du Kango à l'entrée du grand rectangle. Le même Diego reviendra cette fois en plein cœur de la surface de réparation pour un tir du pied gauche pour une réponse des Mabruki et sur la retombée du ballon, ça sera les airs. Une petite pause sera observée suite à la chaleur observée dans l'antre du complexe Kibasa Maliba. Celle-ci permettra à la partie d'échanger des physionomies avec cette ouverture du score après ses corners joués en deux temps de l'extérieur du pied gauche. Stevin Ganga conclut. La réaction kinoise sera immédiate, presque dans la même configuration, mais de la tête, Vini Bongonga pour la réponse du berger à la bergère. Au retour des vestiaires, le bleu monopolise les ballons, assiège les camps des Doras et se procure plusieurs occasions, malheureusement trahies soit par la maladresse, soit encore par la barre transversale. A l'opposé, Mongongo Fish opère des changements qui du reste apporteront les deuxièmes buts de la jeunesse sportive Lumparu Bazano après un travail de qualité de Kivumbi Beni, ses joies ainsi des juniors Baometo alors nouvellement entrés. Diego Chikangu finira par marquer après plusieurs ratés. Deuxième victoire des suites de la jeunesse sportive Lumparu Bazano réjouit tout le monde, président, staff technique et même joueur. A l'opposé, dans les camps des Quinois, cette première défaite de la saison énerve, désole, bref, est insupportable.